Voilà, donc comme vous le savez, nous nous sommes réunis en Assemblée générale d'information aujourd'hui pour réitérer la décision qui a été prise suite à la résolution qui a été lue devant le parti quand il faisait une tournée ce jeudi 13 passé. Et dans laquelle résolution il a été écrit noir sur blanc et adopté à l'unanimité que désormais Ahmed Fall Baraye était derrière nous, qu'il n'est plus le responsable du parti à Saint-Louis. Ça, tout le monde est d'accord sur cela et qu'une nouvelle équipe a été mise en place au niveau de la Fédération départementale de Saint-Louis. Le deuxième point est que nous réitérons notre engagement, mais aussi notre soutien à notre candidat Karim Maïssa Wade, que nous attendons et qu'il va bientôt revenir au bercail et pour aller être placé à la tête du pays à l'issue donc de l'élection présidentielle du 24 février, Inch'Allah. Le troisième point est que nous, Parti démocratique sénégalais, pour montrer que nous ne sommes pas en phase avec Baraye, encore moins avec Macky Sall, nous lui déclarons la guerre politique à Saint-Louis et que nous ne lui permettrons d'avoir aucune voix sur l'ensemble de la circonscription électorale du département de Saint-Louis. Ce sont les décisions que nous avons prises à l'issue de la réunion que nous avons prise tout de suite et à l'issue de la résolution qui a été prise le jeudi passé pour confirmer véritablement que Ahmed Fall Baraye était désormais derrière nous, qu'il n'est plus le responsable premier de Saint-Louis. Il peut se considérer comme simple militant, mais il ne peut plus présider aux destinées du parti. Parce qu'une telle personne ne peut pas garantir les intérêts, encore moins défendre le parti et son candidat. Parce que ces altercations, ces connivences répétées avec Macky Sall a fini de convaincre plus d'une personne que celui-là n'est plus une personne sûre qui puisse présider aux destinées du Parti démocratique sénégalais à Saint-Louis. C'est la raison pour laquelle il a été mis dehors et qu'il peut se considérer comme militant du parti, mais nous avons pris solennellement la décision qu'il ne peut plus être le responsable premier du parti à Saint-Louis.